Après plusieurs jours de suspense, le voilà de retour dans la saga Ici tout commence diffusée sur TF1. Pour l'occasion auprès de nos confrères de Télémagazine, Francis Huster s'est longuement confié sur Auguste Armand, le grand chef étoilé qu'il incarne brillamment à l'écran. Fait surprenant, le comédien en a déjà pris pour son grade à cause de son personnage qui ne fait pas toujours l'unanimité auprès des aficionados. De nouvelles intrigues à découvrir dans Ici tout commence. Contre toute attente, Francis Huster signe son grand retour dans la fiction emblématique de TF1. Pour rappel, en 2020, l'acteur a quitté le programme après la mort de son personnage qui a fondé l'Institut gastronomique. Ainsi, l'interprète d'Auguste Armand réendosse son rôle avec beaucoup de plaisir comme il l'a souligné dans les colonnes du dernier numéro de Télémagazine dévoilé ce mardi 18 juillet 2023. Étant l'un des acteurs phares de la série, Francis Huster a l'habitude qu'on l'alpague dans la rue. Si les rencontres avec les aficionados se déroulent généralement sous les meilleurs auspices, ils n'estent jamais à l'abri d'une petite surprise. Il y a quelques mois, dans le métro, un homme m'a dit « Dites donc, vous êtes un beau salaud », a révélé l'heureux papa de deux enfants. Une remarque qui n'a pas manqué de l'interpeller. J'ai été étonné, et le monsieur m'a gentiment expliqué que les téléspectateurs venaient de découvrir le passé d'Auguste Armand, a ajouté Francis Huster. J'ai été très inquiet car j'ai toujours refusé de jouer des rôles de méchants. Marqué par leur échange, le comédien appréhendait de revenir dans la sitcom. Toutefois, il est certain que les téléspectateurs seront très vite happés par les scénarios à venir, mais ça s'y est-il la grosse surprise dans la réapparition d'Auguste Armand, les flashbacks sont des scènes dans lesquelles au contraire, mon personnage se comporte en héros. Ce sont des moments très réussis. Enchaînant les projets en parallèle, Francis Huster est toujours heureux de retrouver ses partenaires à l'écran. Au même titre que les équipes de tournage. Il leur avait d'ailleurs promis qu'il reviendrait coûte que coûte, j'ai tenu parole. J'ai mis beaucoup le concept des flashbacks, qui ont été inventés par Shakespeare dans Hamlet, car ils donnent une nouvelle force à la série. On ne peut pas mentir. Si est-il forcément la vérité qui est racontée. Sans surprise, les retrouvailles avec ses collègues ont été riches en émotions. Les équipes m'ont fait la fête, a glissé l'ex-mari de Christina Reali. Le jour où je suis revenue, il y avait comme tous les jours des fans de la série devant l'Institut. Ils étaient sidérés de me voir. Et de renchérir sur une étonnante anecdote, une dame m'a même dit qu'elle avait voulu aller sur la tombe d'Auguste Armand dans le petit cimetière local. Elle pensait que mon personnage avait réellement existé. Cela prouve la crédibilité de la série.